Robèche qui contrôle facilement les opérations, qui a repris l'allure légèrement. Et Florent Desmugnon n'a pas voulu se faire piéger et rester côté corde. Il est sorti et il emmène le wagon de la deuxième épaisseur, Frindo, au numéro 12, Isco de Vatou. Dans ce wagon de la troisième épaisseur, il y a aussi Indigo Debo. Alors qu'Igor Premier, après une faute dans la ligne d'en face, retrouve parmi les derniers ce numéro 5, en compagnie notamment d'Ibili de Salta, qui fait le chemin côté corde. Et Intuition Gel qui va tenter de se relancer avec Eric Raffin en troisième épaisseur, tenter de progresser dans la ligne d'en face. Arthur Robèche a repris l'allure et va désormais réaccélérer alors qu'il reste un kilomètre de course dans son sillage. Toujours le numéro 2, le super parcours offert par David Lefebvre avec Indra Bold. Attention à cette jument qui semble avoir du gaz, qui colle bien à Iconic, le numéro 8. Indian Horse est toujours en troisième position, le Néovent. C'est pas simple sa position, pas simple non plus pour Isco de Vatou qui a un petit peu de mal à suivre le rythme à cet instant. En revanche, Index du Nord semble avoir un petit peu de ressources et va tenter de se décaler pour pourquoi pas profiter du sillage d'Indian Horse. Iconic, le numéro 8, qui réaccélère gentiment et qui semble avoir la mesure du numéro 2 Indra Bold et celle du numéro 7 Indian Horse, qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, qui va tenter de se relancer. Derrière, on va tenter de bien finir avec Idé Méloc qui a réussi à se dépatouiller, sortir du piège de la corde pour accélérer ce numéro 13 pour entrer dans la dernière ligne droite devant Iconic, le numéro 8, qui a l'avantage. Attention à Indra Bold qui a à venir lui mettre la pression à numéro 8 Iconic, qui a toujours les choses bien en main semble-t-il. Arthur Robèche qui contrôle les opérations. Il va falloir résister à Indra Bold, il va falloir résister aussi à Indian Horse, le favori qui s'allonge et qui va tenter de bien finir tout comme Idé Méloc. Iconic a toujours l'avantage, le numéro 8, mais sa fin de course est pénible. Il faut aussi rester au trot avec Iconic, assurer les bonnes allures avec Iconic qui garde l'avantage aux abords du poteau, même si on finit fort avec Indian Horse qui est venu subtiliser la victoire au numéro 8. C'est le 7 qui s'impose. Effectivement, la victoire tout à la fin pour le numéro 7, Indian Horse, qui s'impose. J'ai l'impression, côté corde, qu'on a peut-être résisté avec le 8 Iconic. Je ne suis pas en face du poteau. Il y a trois chevaux sur la même ligne. Le 8, le numéro 2 et également le numéro 13 qui a bien terminé. Vous allez m'aider, Maxime. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est dans cet ordre-là même. 7, 8, 2 et 13. Ces quatre-là, loin devant Index du Nord, le numéro 6 qui termine 5e. Mais quelques sueurs froides à ses preneurs, à son entourage, puisqu'il a eu quelques foulées de galop au départ. Mais Florent Desmugnon nous avait averti. Il faut être prudent, il faut être prudent. Et ensuite, ça s'est plutôt bien passé. Le cheval a rapidement pu être remis sur la bonne jambe et recollé au bon peloton, j'ai envie de dire. Parce que comme depuis le début de la réunion, il y a deux courses en une à chaque fois. Avec des chevaux qui sont dans le coup et d'autres qui peinent un petit peu à suivre le rythme. Et du coup, il faut se retrouver dans le bon wagon. Il ne faut pas faire d'efforts superflus dans ces catégories. Et Indian Horse, je trouve qu'il gagne bien. Puisque dans le tournant, le cheval a été sollicité, réveillé et il s'est relancé en cheval courageux. Pour aller chercher l'animatrice avec qui il fallait rester vigilant. Mais du coup, Jérémy, c'était un bon favori, ce numéro 7, Indian Horse. Effectivement, et je vais être aux côtés de Florian. Florian, il a fallu faire très attention en partant. Et ouais, c'est son défaut, il part au galop. En plus, là, j'ai pas pu partir en dehors comme j'aurais souhaité. Donc, il m'a fait une petite faute, mais il s'est remis assez vite, donc j'ai pas perdu trop de terrain. Ouais, pour finir, il a été très courageux. Bah ouais, j'étais obligé de sortir un peu de bonheur, alors que normalement il faut le cacher au maximum, mais le wagon de 3 venait, donc j'ai pas pris de risque. Et après il m'a embêté à me coller dur à ma gauche, j'ai pas pu le lancer vraiment comme je voulais, mais il a été s'imposer quand même. Ouais, vous aurez un des favoris de la 6ème, Éclair, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je le connais pas, mais il répète toutes ses courses, sur le papier normalement c'est une chance. Vous aurez également Gust LJ dans l'avant-dernière? Il fait bien Strasbourg, il n'y a pas de marge, mais en tête pour une place. Et puis Everest de Blary dans la dernière, ça paraît être une belle chance derrière Ginko du Roussoir. Ouais, il vient de faire une bonne rentrée, on se méfie toujours de la deuxième course. Pareil, il faut le bon parcours, on n'est que 4 en tête, donc il faut espérer qu'on n'attende pas les 25 mètres, quoi, mais il a droit de prendre une place aussi. Merci beaucoup. Il y a une belle réunion à faire, Florian Desmugnon ici à Strasbourg. Il devrait être dans le coup à chaque fois pour ça le... Ça a bien commencé en tout cas. Ouais, il devrait être dans le coup à chaque fois pour le podium, je pense. Ici donc l'entourage de Basse Crevasse, lauréat de cette épreuve. Il faudra peut-être noter pour la suite Indra Bold qui a peu de gains, qui est une jument qui ici a suivi un bon train imprimé par le numéro 8 Iconic, qui a eu sa chance pour la victoire, qui a bien sprinté. Le parcours a été excellent, mais cette jument-là, aux alentours de 10 000 euros de gains, 10-12 000 euros de gains après cette course, ça va pas tarder à gagner. Indra Bold, notons cette jument. A tout à l'heure pour la 5e. Sunday morning light.
s'avérer compliqué. Surveillons donc son comportement à ce numéro 7 qui est le favori de cette course. Qui hésite, qui répond par une faute, qui n'est pas remis dans les bonnes allures. Si, désormais c'est fait pour Indian Horse qui a été en sursis et qui désormais est au trot et bien au trot semble-t-il. Il accélère pour regagner quelques rangs, lui qui partait en tête. On est super bien parti avec le numéro 13. Idée Méloc qui fonce au deuxième échelon tandis que Pierre Vercus lui a pris son temps avec Ibilit Salta. Devant la position de leader, elle est pour le numéro 8, Iconique qui s'est remarquablement élancé avec Arthur Rebèche. En deuxième position, Indra Bold avec David Lefebvre qui est deuxième à cet instant du parcours dans le premier tournant. Troisième position, le numéro 6, Index du Nord, alors qu'il y a du rythme hein, sous l'impulsion du numéro 8, Iconique, qui est bien parti pour faire du train. Attention à ne pas trop se montrer brillante dans cette épreuve. En deuxième position, toujours le numéro 2, Indra Bold, alors qu'on se montre fautif avec le numéro, la casaque grise, peut-être celle hein, du numéro 4, Intrépide Ocagne. En troisième position, Index du Nord, on progresse avec Indian Horse qui, après avoir hésité quelque peu, est désormais quatrième. Dans son sillage, il y a Idée Méloc hein, qui a pris un super départ. Idée Méloc qui rend des 25 mètres, qui est en cinquième position. À l'arrière-garde, Ibilit Salta en compagnie notamment d'Intuition Giel avec Eric Raffin qui fait le petit parcours côté corde. Juste devant lui, il y a Igor Premier ou encore Indigo Debo, l'As. Ils sont toujours sous l'impulsion du numéro 8. Hein, et un petit peu comme depuis le début de la réunion, il y a deux pelotons, deux échappés. Comme on dirait, à un mois du Tour de France, avec le numéro 8, Iconique, qui a l'avantage dans son sillage. Toujours le numéro 2, Indra Bold. Quelques sulky pour retrouver la présence du numéro 6, Index du Nord, qui a dans son sillage le favori de cette épreuve, c'est Indian Horse. Le numéro 7, on tente de progresser dans le wagon de la deuxième épaisseur avec le numéro 12, Isco de Vatou. Alors qu'Intuition GL avec Eric Raffin se montre fautif, remis dans les bonnes allures, mais elle a perdu de précieux rangs et se retrouve désormais en dernière position. Passe devant les tribunes sous l'impulsion du numéro 8 Iconique qui va facilement hein. Arthur Rebèche qui contrôle facilement les opérations, qui a repris l'allure légèrement, et Florent Desmugnon n'a pas voulu se faire piéger et rester côté corde. Il est sorti et il emmène le wagon de la deuxième épaisseur, frein d'eau au numéro 12 Isco de Vatou. Dans ce wagon de la troisième épaisseur, il y a aussi Indigo Debo, alors qu'Igor Premier hein, après une faute dans la ligne d'en face, retrouve parmi les derniers ce numéro 5 en compagnie notamment d'Ibili de Salta qui fait le chemin côté corde, et Intuition GL qui va tenter de se relancer avec Eric Raffin en troisième épaisseur, de progresser dans le lieu d'en face. Arthur Rebèche a repris l'allure et va désormais réaccélérer alors qu'il reste un kilomètre de course dans son sillage. Toujours le numéro 2, le super parcours offert par David Lefebvre avec Indra Bold. Attention à cette jument qui semble avoir du gaz, qui colle bien à Iconique, le numéro 8. Indian Horse est toujours en troisième position, le nez au vent. C'est pas simple sa position, pas simple non plus pour Isco de Vatou qui a un petit peu de mal à suivre le rythme à cet instant. En revanche, Index du Nord semble avoir un petit peu de ressources et va tenter de se décaler pour pourquoi pas profiter du sillage d'Indian Horse. Iconique, le numéro 8 qui réaccélère gentiment et qui semble avoir la mesure hein, du numéro 2 Indra Bold et celle du numéro 7 Indian Horse qui n'a peut-être pas dit son dernier mot, qui va tenter de se relancer. Derrière, on va tenter de bien finir avec Idée Méloc qui a réussi à se dépatouiller, sortir du piège de la corde pour accélérer ce numéro 13 pour entrer dans la dernière ligne droite devant Iconique, le numéro 8 qui a l'avantage. Attention à Indra Bold qui a l'avantage, qui a à venir lui mettre la pression à numéro 8 Iconique qui a toujours les choses bien en main semble-t-il. Arthur Rebèche qui contrôle les opérations, il va falloir résister à Indra Bold, il va falloir résister aussi à Indian Horse, le favori qui s'allonge et qui va tenter de bien finir tout comme Idée Méloc. Iconique a toujours l'avantage au numéro 8, mais sa fin de course est pénible. Il faut aussi rester au trot avec Iconique, assurer les bonnes allures avec Iconique qui garde l'avantage aux abords du poteau, même si on finit fort avec Indian Horse qui est venu subtiliser la victoire au numéro 8. C'est le 7 qui s'impose. Effectivement, la victoire tout à la fin pour le numéro 7, Indian Horse, qui s'impose. J'ai l'impression, côté corde, qu'on a peut-être résisté avec le 8 Iconique. Je ne suis pas en face du poteau, il y a trois chevaux sur la même ligne. Le 8, le numéro 2 et également le numéro 13 qui a bien terminé. Vous allez m'aider, Maxime. C'est bien ça, c'est bien ça. C'est dans cet ordre-là même, 7, 8, 2 et 13. Ces quatre-là, loin devant Index du Nord, le numéro 6 qui termine 5e.